Et salut tout le monde, c'est Trimano et on se retrouve aujourd'hui pour le bras de fer de la semaine. Donc Blizzard, cette semaine, en cherchant un peu sur la toile, sur internet, ils sont tombés sur quoi? Sur des tisseuses. Beaucoup, beaucoup de tisseuses, du coup, il y en a dans tous les decks que l'on va jouer, et pas que deux, énormément, énormément, énormément. Du coup, pour ce bras de fer, c'est pas nous qui allons construire le deck, c'est Hearthstone qui va le faire directement. Nous avons juste à choisir la classe et nous allons jouer Rexxar, le chasseur. Donc, maître des tisseuses, hein, évidemment. Hop. Donc, on va essayer d'en découdre avec l'adversaire. Alors, la petite recherche adversaire. C'est parti. Adversaire convenable pour changer, hein. On n'est pas très surpris. Et du coup, un prêtre. Donc, Krogg le prêtre. Alors, on va voir ce que ça va donner du coup un prêtre qui va poser beaucoup de tisseuses. C'est assez spécial, hein, mais bon. On va essayer de se débrouiller vu qu'il a du heal pour healer les créatures qu'il aura avec ses tisseuses. Ça peut être assez embêtant vu que les tisseuses n'ont que 2 d'attaque et que le prêtre du coup soigne de 2. Hop, mais bon, pour l'instant, c'est tisseuse contre tisseuse, donc ça me fait des trades assez gratuits. Du coup, toujours trade la tisseuse avant de poser une autre carte, car la tisseuse peut nous donner une carte. Par exemple, elle aurait pu me donner une bête à 2 que j'aurais pu poser directement. Bon, ce qui n'est pas le cas, vu qu'elle me redonne une tisseuse. Là, on joue 2 tisseuses, vu qu'on n'a pas intérêt à pouvoir héroïque, vu que lui, j'imagine qu'il va poser des créatures. Donc, pouvoir héroïque ne m'avancerait à rien, vu que lui aurait le board, alors que moi non. Ça me mettrait seulement dans la panade. Du coup, j'imagine qu'il va double tisseuse également. Donc voilà, c'est ce qu'il fait. Du coup, comme on a dit, on va trade les tisseuses. Ah, on drop un élec du roi. Donc, on va jouer l'élec du roi. On imagine qu'on va se finir avec une égalité au bout de 2 tisseuses de chacun. Voilà, donc c'est exactement ce qui était prévu, donc personne ne la joue, mais l'élec du roi est une créature 3-2, donc c'est pour ça que je la joue, vu qu'elle est plus importante que les tisseuses. Ensuite, du coup, on trade la dernière tisseuse qu'on avait contre la sienne, et on repose une tisseuse, vu qu'on avait un de mana. Du coup, là, on n'est pas trop mal, on a une 3-2 sur le terrain, une 1-1, on a un tir meurtrier pour gérer s'il nous met quelque chose d'assez gros. On a Mike Snap pour gérer les grosses créatures qui nous mettra. Très bien. Donc ça plus une tisseuse. Ah. Ok, donc ça c'est bon. Donc là, je top deck la marque du chasseur. Je vais la jouer sur la 3-2. La 3-2 de base, c'est pas une menace potentielle, mais ça me permet de faire de meilleurs trades, car je peux trade la tisseuse dans la 3-1, du coup. Voir ce qu'elle me donne. Un Cobra Empereur, du coup, que je joue instantanément, plus d'une tisseuse. Et du coup, je peux trade ma 3-2 dans la 1. Ainsi, ne pas perdre ma 3-1 qui était sur le board, vu que la tisseuse n'avait que 1 d'attaque. Ici, la marque du chasseur m'a permis de conserver ma créature, l'élec du roi, au détriment d'une tisseuse, ce qui est assez rentable. Maintenant, qu'est-ce qu'il va me jouer? On s'imagine qu'il va encore avoir des tisseuses. Hein. Voilà, les araignées, ils sont partout. Donc, 2 tisseuses. Peut-être 2 autres. On ne sait pas, peut-être une créature à 2. C'est le destin qui va nous le dire. Il serait pas F4 quand même. Ça serait triste. Ah bon bah il n'a rien d'autre à jouer. C'est assez bizarre quand même. Du coup, là ce qu'on va faire, on va prendre le trade du Cobra Empereur sur une 1-1. Ainsi que notre Isos contre Isos Restante. Hop, donc là. Ah, un champion de Mucla, donc champion de Mucla, un singe sur un hippopotame, donc la savane, et qui, à chaque fois qu'on utilise notre pouvoir héroïque, donne 1-1 aux autres serviteurs. Donc on va le jouer parce que ça donne une 4-3 sur le terrain, ce qui est vraiment pas mal. Dès que les cartes à 4 d'attaque sont vraiment excellentes contre prêtres, qu'elles ne se font tuer ni par le mot de longue douleur, ni par le mot de longue mort. Donc c'est les meilleures cartes à avoir sur un board contre prêtres.
C'est pour ça qu'on la met. En plus, là, on est. Elle rend mon board moins sensible à la Nova Sacrée, vu qu'elle a 3 points de vie, que la Nova Sacrée fait 2 points de vie. Enfin, de dégâts. Et ça me permet de trade gratuitement les tisseuses, car c'est des créatures 1-1. Sachant que le champion de Nukla donne toujours un point de vie et un point d'attaque à mes créatures. Les créatures ne pourront pas mourir sur uniquement les tisseuses. Du coup, là, il folie de l'ombre. Mon cobra empereur pour tuer mon champion de Nukla, c'est bien joué. Après, il passe tout son tour à ça. J'imagine qu'il va peut-être poser une tisseuse. Il pièce. Pièce pour jouer ce qu'il vient de piocher. Très bien. Un raptor rouge fange. Donc là, il a utilisé sa folie de l'ombre pour gérer tout mon board et met une créature que je peux gérer gratuitement. Ce qui est pas spécialement logique. Car j'ai le trade gratuit, et du coup c'est moi qui reprends l'offensive à poser des créatures sur mon board. Hop, donc on trade gratuitement. Et là on a le choix. Soit on peut gérer les 3 tisseuses plus pouvoir héroïque, soit on joue Maixna. Le défaut de Maixna, enfin la qualité et le défaut de Maixna, c'est que Maixna, s'il a un mode l'ombre douleur ou s'il a quelque chose pour me la gérer directement, ou même pire, une cabale, une prêtresse de la cabale pour me la voler. Ça me met très mal dans la partie et ce qui sera ma perte. Les 3 tisseuses, l'inconvénient c'est que le board ne soit pas solide vu que c'est 3-1-1. Et les avantages, c'est que les tisseuses, j'ai 3 créatures, donc je peux en trade plusieurs chez lui. Et Maixna, c'est que ma créature trade n'importe quoi. Du coup, là, on va développer Maixna. C'est risqué par rapport à la cabale, mais on est dans le bras de fer, donc c'est pas nous qui faisons les decks. On peut imaginer qu'il n'a pas de cabale dans son deck. On peut imaginer et espérer d'ailleurs. Parce que ça nous ferait instantanément perdre la partie s'il en avait une. Donc là, il joue une tisseuse, il lui reste 5 de mana, il a plus la cabale. Hein. Souvenez-vous, il a utilisé la pièce le dernier tour pour jouer le raptor, et la cabale coûte 6. Donc il joue une tisseuse et il se heal. Donc rien de bien volant pour le moment. C'est à moi de jouer. Du coup, les 3 tisseuses, le piège grand et un petit rassuré. Et on va trade Maixna dans la tisseuse. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a le piège givrant, on n'a pas envie de remonter une tisseuse. On n'a pas envie de remonter une tisseuse dans la main vu que c'est une créature 1-1, il n'y a aucun intérêt. Le piège givrant, c'est fait pour gérer les grosses créatures, enfin grosses créatures plus grosses que la tisseuse, on va dire. Donc là, on a énormément de contrôle de board dans la main, on a 2 tirs meurtriers, et sur le terrain aussi, vu qu'on a Maixna qui détruit toute créature qu'elle blesse. Attention, c'est bien qu'elle blesse et pas qu'elle tape, parce qu'elle peut taper dans une créature avec bouclier divin, elle ne la détruira pas, car la créature ne prendra aucun dégât. Il faut bien faire attention à cet effet. Idem pour le Cobra Empereur, du coup. Et la dernière carte qui nous permet de gérer une grosse menace, c'est le piège givrant. Là, du coup, il pose un patriarche d'or argenté qu'on va trade avec Maixna. Maixna n'a que 2 d'attaque, mais grâce à son effet, cela le détruit instantanément. Et on va trade notre tisseuse dans la sienne, histoire de récupérer une créature pas mauvaise. Heureusement, ce n'est pas le cas. On récupère gueule d'acier. C'est pas une créature spécialement fofolle, mais bon, ça joue. Là, ce que j'espère de mes tisseuses, c'est qu'elles me donnent des créatures qui ont énormément de points d'attaque. À partir de 4, 5, 6 points d'attaque, histoire de descendre le prêtre assez rapidement. Mais bon, je suis assez confiant sur la partie. Il a 8 cartes dans sa main, j'en ai une. Mais j'ai de quoi gérer tout ce qu'il pourrait me poser. Je me demande. Donc voilà, qu'est-ce qu'il va nous jouer? La carte qui vient de droite, la carte qui vient de piocher. On ne sait pas. Toundra. Du coup, peut-être qu'il va nous jouer 3 tisseuses. Non, il joue F20. Ainsi que. Ah, ici, lance ma mec là. Très bien. Donc là, il a utilisé toutes ses ressources pour poser on peut dire une grosse créature, mais ce qui lui sert à rien grâce à mon petit.
prend du coup, là il a utilisé 3 cartes, dont 2 qui lui sont inutiles, le Rhino de la Toundra et l'Esprit Divin. Du coup, car son Rhino a été renvoyé dans la main grâce à mon piège givrant. Du coup, ma Maxna n'a plus son effet de détruire un serviteur blessé. Ça me fait toujours une 2-6 sur le board, c'est pas si mal. Toujours en avance dans la partie. Et je pioche une boule d'araignée pour 6 de mana, invoque 3 tisseuses 1-1. Ça n'a pas grand intérêt ici, surtout que j'ai 5 créatures sur le board. Donc ce qui me permettrait de poser uniquement 2 tisseuses. Là, qu'est-ce qu'il peut jouer? On se souvient, il a son Rhino de la Toundra qui coûtera 7 cette fois-ci et non pas 5 vu qu'il a l'effet du piège vivant. Et j'imagine qu'il lui reste des créatures avec 10. Grâce à sa tisseuse. Là, il nous joue Gazrilla, donc Gazrilla, grosse créature. Donc c'est ce qu'on espérait, une grosse créature qui nous joue vu qu'on a le tir meurtrier dans la main. Du coup, on joue le tir meurtrier, Gazrilla. Et là, je pense que. Notre adversaire va concéder vu qu'il est vraiment mal dans la partie. Je pense pas qu'il ait grand chose pour revenir, sinon il l'aurait déjà joué. Donc là on met tout dans la tête, pouvoir héroïque et on utilise la dernière tisseuse qu'on avait dans la main. Là avec 10 de mana il peut tout faire, mais il peut rien faire qui clean entièrement mon board. Son meilleur play normalement ce serait bombe de lumière, ce qui enlèverait 4 de mes créatures. Mais me donnerait 4 bêtes dans ma main et je garderai tout de même ma Maxna et mon gueule d'acier, donc ça serait pas spécialement folichon. Il joue son Rhino de la Toundra pour 7 de mana, regardez, il lui reste bien 3 de mana et non 5 à cause de l'effet piège givrant. Du coup là sa créature a charge, peut-être qu'il a 2 tisseuses pour clean mes tisseuses, on va voir ça. Non, il se heal, c'est une tisseuse alors. Non, lumière des Naru. Très bien. Du coup, la lumière des Naru, je vais pouvoir venir la chercher directement avec mes créatures à 2 d'attaque. Non, même je vais faire mieux. On va mettre le loup alpha redoutable. Il permet à la tisseuse de gauche de passer à 2 d'attaque et du coup d'aller chercher. Qu'est-ce qu'on récupère avec la tisseuse? Un gueule d'acier d'oasis. On en a déjà un sur le board. Bon, après, c'est pas spécialement intéressant. Est-ce que j'aurais pas raté l'état là tout hasard? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, j'étais 3 damage off. D'ailleurs, j'avais l'étal s'il n'avait pas lumière des Naru. Hop. Donc là, 2, 4, on va la chercher avec la tisseuse 1 d'attaque. Ainsi que le gueule d'acib qui en a 3. Et on va dans la tête avec Press qui n'a pas attaqué. On va mettre le grizzly faire poil. Et on va pouvoir héroïque et pas que l'acide pour lui mettre de la pression. Là, on a mis le grizzly fer à gauche, enfin à gauche de la tisseuse qui avait l'effet du loup. Car s'il nous tue notre tisseuse de gauche, comme ça, l'effet du loup reste sur le grizzly fer poil. Bon, du coup, là, il joue le roi crush juste pour la petite du jeu, on va dire, une tisseuse. Et il va concéder normalement vu que. Voilà. Un petit prêtre qu'on a gagné pour ce bras de fer, du coup. C'est assez sympa. Très, très aléatoire car les tisseuses pouvaient donner n'importe quelle bête dans le jeu. Ça pouvait très bien être les cartes druides, vu qu'il en a énormément des bêtes en cartes de classe, le druide. Ou des cartes neutres. Des cartes neutres, donc avec la caractéristique bête. Donc un bras de fer pour chasseur. Et voilà, du coup c'était Trimano pour Ivason Studio. Suivez-nous sur Twitter, sur YouTube, sur Steam et sur Facebook. Tous les liens seront dans la description, vous n'avez plus qu'à cliquer.